Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va découvrir un nouveau produit sur le marché européen, précisément français. Bah oui, vous avez deviné, parce qu'en regardant dans le design et tout ça là, pour ceux qui se connaissent en produit, savent qu'il s'agit là bel et bien de la marque Oppo. Ouais, ça fait un moment déjà que Oppo n'était plus sur le marché européen, français précisément. Ça fait beaucoup de temps déjà, on se demandait qu'est-ce qui se passait, pourquoi il a fermé. Il y a eu des questions, il y a eu des rumeurs, il y a eu des annonces, et bien voilà, cette fois-ci, c'est arrivé bel et bel bien Renault ou bien Oppo si vous voulez, il y a des retours sur le marché français. Ben voilà, après quelques annonces, après quelques recherches qu'on a eu à faire et de demandes en blog, machin truc, en forum, on a parlé. Ben voilà, cette fois-ci c'est officiel, c'est annoncé, c'est arrivé. Oppo est de retour sur le marché français avec le nouveau produit Renault 12 Pro. Voilà, vous avez compris que dans ce tutoriel, on va parler de Renault 12 Pro. C'est quelque chose de très sophistiqué, de vraiment à la mode. Ben voilà les gars, on va parler dans tous les détails, dans toutes les coulisses, genre fiches techniques, tout ce qui va avec. Non, déjà, et ben, vous pouvez taper dans le blog et publier toutes ces choses-là. Ici, on va souligner quelques points essentiels parce que c'est un tutoriel rien que de 3 minutes pour vous présenter ce produit rapidement. Parce que là, nous savons dans peu de temps, c'est chez Olympique. Et également, il n'y a pas quelques mois de cela, ça sera aussi la rentrée scolaire. Et puis, l'élimination Coupe du Monde, donc vous voyez, il faut déjà avoir quelque chose de super cool pour aller au stade avec, et pour filmer, et pour faire ton retour de l'année scolaire prochainement. Ben voilà les gars, on va toucher un peu des points essentiels tels que ce smartphone est sorti directement sur l'Android 14. Vous imaginez, ça dit l'Android version 14. Ouais, ce n'était que Pixel 8 Pro qui était sorti sous cette forme également, et ouais, en PCT Galaxy, il y a pas mal de smartphones là-dessus, mais cette fois-ci, Renault est directement allé sur ça. Donc vous imaginez, c'est un truc des super ouf, doté des IA, avec beaucoup de nouveautés. C'est vrai que niveau design, c'est un peu basique, ben, l'écran un peu au programme du pot. Ben voilà, on trouve des super choses, on trouve des choses qu'on pouvait trouver réellement dans des smartphones haut de gamme. Mais Renault nous a mis ça de façon basique. Et je n'ai pas encore su le prix, parce que là nous trouvons un prix symbolique de 500 euros seulement, gars. Oh, la valeur prêt. La valeur, c'est-à-dire qu'il faut faire un peu rapport qualité-valeur. Ou prix, c'est-à-dire rapport qualité, valeur, prix, ces trucs, ça devait être entre 1000 balles, les mecs. Mais non, les gars l'ont mis carrément sur 500. Donc, on trouve ça 500 euros, vous avez 500 euros, vous avez tous ces smartphones qui allaient être sur ça officiel. On trouve également du montage, c'est ce que vous voyez. Donc, on trouve c'est super, super chouette. Ouais, nouveau poids, nouveau design, nouveau tout ça là. Oui, il faut également dire que Oppo nous a fait habituer avec un système un peu thermé, ce design. Notamment avec le dos un peu grand bleu, mais ben là il part un peu sur un truc un peu tellement différent parce que lorsqu'on regarde les Renault 8, habituellement c'est un peu bloc au niveau de photo fusionnée avec tes dos, mais là on trouve un peu un nouvel aspect. Donc ils sont lancés sur un truc un peu super super classe. Mais en ce qui concerne la question poids, et ouais, ça pèse un peu, hein, ça va jusqu'à quelque chose de 177 grammes. Oui, mais quand même, quand tu veux quelque chose de super avancé, il faut s'apprêter à soutenir tout ça là. Donc au moins ça va pas disparaître de ta poche en plus. La réparabilité de machin truc de l'indice, quoi, il est de 7,8 sur 10, dessus quelque chose de super chouette également. Là, nous tous nous trouvons un écran de l'autre à 6,7, donc c'est plus, donc c'est super chouette et c'est super gras, les gars. Donc voilà ce que je voulais vous présenter dans ce tutoriel. C'est Alex Your Phone. Si vous êtes nouveau sur nouvelle sur la page, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de dire nous un peu en commentaire si vous allez acheter ces marques ou pas. Ben moi, je vous conseille vivement d'en acheter parce que ça coûte pas grand chose. Alors c'est super moche. Donc voilà, on se retrouve très prochainement. Merci d'avoir suivi.